L-L-O-N-G. En résumé, de son approvisionnement en cobalt pour les batteries. Enquête sur la filière en RDC, pays africain, qui fournit 50% de la demande mondiale. Alors, imaginez. Le secteur automobile est sévèrement épinglé dans un chapitre intitulé « La face sombre de la technologie verte ». Alors que la demande mondiale de cobalt explore les constructeurs de véhicules électroniques sont à la traîne par rapport à d'autres secteurs en ce qui concerne les pratiques liées à leurs batteries. Excusez-moi, je descends. Alors, batterie, voilà, je suis là. Renault et Daimler présentent des résultats particulièrement mauvais. Soutien à Amnesty qui dénonce des zones d'ombre dans leur chaîne d'approvisionnement. L'ONG a d'ailleurs exigé que Renault assume son devoir de vigilance en République démocratique du Congo. Dans une lettre ouverte au PDG de constructeur français Carlos Ghosn, c'est pourquoi nous souhaitons vivement recevoir de votre part les formations demandées, ajoute la lettre signée par la présidente d'Amnesty France. Amnesty se montre plus indulgente avec le secteur informatique et Apple, sa marque vedette, première capitalisation boursière mondiale. Vous entendez, hein? Au début de l'année, Apple est devenue la première entreprise à publier les noms de ses fournisseurs en cobalt. Si les sociétés Dell et HP ont montré des signes encourageants, Microsoft fait partie des 26 entreprises qui n'ont pas rendu publiques les informations sur les fournisseurs, poursuit L-O-N-G. Vous avez entendu. Mais Microsoft ne peut jamais donner les détails parce que Bill Gates, il est un grand mafieux, un grand criminel sur toutes les transactions frauduleuses au Congo RDC. Et ainsi que dans d'autres États, hein, en Afrique. Nous allons continuer à descendre. Maintenant. Attends, pourquoi ça va trop vite? Excusez-moi. Voilà. Amnesty International a rassemblé des informations montrant que des enfants et des adultes extraient le cobalt dans des tunnels étroits, creusés manuellement et sans exposer au risque d'accident mortel et de graves affections pulmonaires. Amnesty étudie également les pratiques du principal fournisseur de cobalt congolais, l'entreprise chinoise Wanyun Cobalt, dont la filiale congolaise achète du minerai dans l'ex-Katanga et le revend aux grandes entreprises. Wanyun Cobalt a réalisé des progrès depuis
Le rapport de 2016 d'Amnesty notamment, en améliorant sa transparence, des lacunes subsistent cependant. La RDC regorge de ressources minières, mais reste un des pays les moins développés au monde. La richesse du sous-sol. Attends, c'est quoi? Pourquoi La richesse de sous-sol minière, mais reste un des pays les moins développés au monde. La richesse du sous-sol contribue à alimenter les conflits armés qui déchirent depuis plus de 20 ans l'est du pays, en particulier les provinces du nord et du sud, grosses productrices d'or, d'étain, de coltan et de tungstène. Voilà. Donc, tout est mis là. Donc, je veux mettre ce rapport afin que d'autres puissent le lire aussi. Parce que c'est intéressant de connaître vraiment ce qui se passe. Ce qui se passe au Congo. Pas mal devront s'intéresser. Donc, je vais mettre cet article dans le lien en bas de du direct. Comme ça, vous pourrez le lire. C'est important. Très important. Je suis là pour informer les gens. Et je suis fier de ce que je fais. Je suis fier. Et moi, je travaille pour la vérité. Je travaille pour Dieu le Père Tout-Puissant. Voilà. Lui qui m'a donné cette vie. Je ne travaille pas pour des petits rigolos sur cette terre. Mais pour Dieu. Voilà. Je mets le lien. Comme ça, les gens pourront le consulter. Parce que c'est important. Le lien est là. Les gens pourront consulter ce lien. Et ils verront. Nous vivons dans un monde de malades. Mais ça va aller parce que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle parce que Dieu va prouver que c'est lui le maître des maîtres. Donc, j'ai lu le dossier de Amnesty. Maintenant, nous allons voir quelque chose. Parce que sur le dossier du Congo RDC, nous devons comprendre. Parce que le Congo RDC, toute l'Afrique, l'Afrique centrale, et vous avez aussi la Côte d'Ivoire à côté, ces pays-là sont dans des attaques terribles. Terribles à cause de ce que ces pays-là ont comme ressources. Vous regardez le Congo RDC, ça va mal. Le Congo Brazzaville va mal. Le Cameroun va mal. Le Togo va mal. Guinée va mal. Le Cameroun va mal. Le Tchad va mal. Le Centrafrique va mal. Mais pourquoi ? À cause des minerais que ces pays détiennent. Et regardez la Côte d'Ivoire. Tous les massacres qu'il y a eu à cause des minerais que la Côte d'Ivoire détient. Parce que la Côte d'Ivoire, j'avais dit à l'époque d'Oufouette Boigny, quand Oufouette Boigny venait au Congo Brazzaville, quand il y avait des oncles à moi, ministres, qui venaient à la maison voir mon père, je disais toujours que la Côte d'Ivoire détenait du pétrole. Le pétrole, l'or noir. Mais, sauf que l'Afrique, toutes les données sont en train de changer dans le monde. Vous voyez maintenant dans le monde, nous avons ce qu'on appelle les voitures volantes. Mais pour avoir ces voitures volantes, il faut un minerai. Et ce minerai des terres rares, vous avez le cobalt, vous avez le coltan, vous avez le tantale.
Et donc, toutes les firmes multinationales font immensément ce qu'on appelle des atrocités terribles au Congo RDC. Ils tuent. Vous avez la Centrafrique. Une fois, une journaliste de France 5 s'est retrouvée au Congo, en Centrafrique. Et en Centrafrique, on lui a remis un dossier, mais elle n'a jamais dit les noms des 38 à 39 minéraux découverts en Centrafrique. C'est comme au Gabon. La société, une grande société française, avait découvert pas mal de nouveaux minéraux au Gabon. Mais ils n'ont jamais donné les noms de ces minéraux. Voilà pourquoi Ali Bongo, PDG des ordures, il est là. Il est toujours là aux affaires. Pendant que le peuple gabonais ne l'a jamais élu, Ali est là. Et Ali fait des atrocités terribles. Parce que pour Ali, vu certains francs-maçons, encouragés par les cellules mafieuses de la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie, elle ne s'arrête pas que dans leur immeuble sataniste. Non, mais la franc-maçonnerie, elle est dans pas mal des domaines des meurtres en Afrique. Et les Illuminati, pareil, ils sont dedans. Nous allons suivre les voitures volantes. Vous allez comprendre après les voitures volantes, je veux vous expliquer certaines choses importantes. Parce que c'est important. C'est important. Nous allons suivre, vous allez comprendre. Et c'est ce qui fait, ces voitures volantes font à ce que les multinationales exécutent immensément les Congolais. Parce que je n'ai jamais vu dans un pays un Rwandais Tutsi gouverner les États-Unis. Est-ce qu'un Rwandais Tutsi peut diriger la Maison Blanche? Est-ce qu'un Rwandais Tutsi peut devenir le roi de Belgique? Est-ce qu'un Rwandais Tutsi... Est-ce qu'un Rwandais Tutsi peut gouverner le Canada? Non. Mais un Rwandais Tutsi placé au Congo RDC pour exécuter le peuple congolais de la RDC. Mais c'est quand même aberrant. Nous allons voir. Voiture volante. Et pour avoir ça, il faut tuer les Congolais. Il faut avoir le cobalt, le coltan. Excusez-moi.
Voilà, nous avons suivi les voitures volantes. Hein? C'est magnifique, hein, la technologie. Parce que d'ici quelques années, le pétrole ne sera plus utilisé comme on l'utilise actuellement dans les voitures. Ça sera des voitures volantes qui vont circuler à l'aide du cobalt. Le cobalt, oui. Et ce cobalt, c'est-à-dire, c'est un minerai qui sert à voir ce qu'on appelle les batteries. Fabrication des batteries. Batteries de smartphones. Batteries des voitures volantes. Et des batteries des voitures électriques. Pour ceux qui vivent en Europe, ou aux États-Unis, ou au Japon, ou en Chine, ils voient les voitures électriques qu'il y a. Mais pour avoir ces voitures électriques, ils ont besoin des minerais, des terres rares. Et ils les trouvent. Au Congo RDC, là où ils font des atrocités terribles. Là où on tue. Parce que c'est bien pour eux de tuer des hommes. Des hommes qui sont des êtres humains comme eux, qui respirent comme eux. Mais vu qu'ils se disent que la table de la conférence de Berlin, la table ronde, là où ils ont pris la décision de se partager l'Afrique. Mais en réalité, la conférence de Berlin, 1884-1885, n'était que le partage du Congo RDC. C'est là où vous voyez toute la comédie qui traverse. Ils volent les minerais et ils sortent. Et les atrocités du Congo RDC ne s'arrêtent pas qu'au Congo RDC. Elles continuent dans les restes de notre continent qu'est l'Afrique. Les autres pays africains vont aussi mal. Pourquoi? Parce que c'est la même musique. Les détournements de fonds. Les détournements des minerais. Les minerais est égal. Le fric et le fric et le fric. Il n'y a que l'argent qui intéresse à ces hommes matérialistes. Matérialisme, ces hommes matérialistes qui n'ont aucun sens de la vie humaine. Pour eux, il faut écraser la vie humaine. Ils n'aiment pas les humains. Pour eux, une terre sans les humains serait une terre magnifique. Est-ce que vous voyez? Et la majorité de ces tueurs, vous verrez bien les dimanches. Ils vont dans les églises, hein? Et les églises là, comment on les appelle? Églises catholiques, oui. Et vous avez aussi les églises qu'on appelle églisettes, églises de réveil, mais qui participent à faire un travail immense pour les dictateurs en Afrique. Faire endormir les esprits des gens, afin que les gens ne puissent pas voir la réalité. Et en Europe,
aux États-Unis, vous avez aussi les églises de réveil. Ils sont partout. Et ces églises servent à faire endormir la conscience de l'être humain noir. Parce que leur objectif, il ne faut pas que les noirs puissent comprendre la réalité des choses. Nous allons voir ce qu'ils font comme atrocité au Congo RDC. Très important. Et dans toutes ces atrocités au Congo RDC, la famille Clinton, ils sont là. Hein, parce qu'ils ont des comptes au Canada. Les comptes qu'on appelle les comptes écrans. Détournement de fonds. Parce qu'aux États-Unis, s'ils avaient leur compte aux États-Unis, des comptes écrans, si ça se trouvait aux États-Unis, ils seront arrêtés. Donc, pour eux, il faut mettre les comptes écrans au Canada. Et ça leur sert à faire toute leur troubadour de la mafia bien organisée. Vous avez un type comme Vincent Bolloré. Lui aussi, il a des sociétés écrans au Canada. Et les sociétés écrans, ils ne sont pas mis, ces sociétés, il n'y a pas devant les noms de ceux que je cite. Ils utilisent d'autres noms. Mais ça fait que les enquêteurs du FBI, ils ont les renseignements. Ils savent. Et ils font sortir des dossiers. Parce que ce que je suis en train de dire sur la famille Clinton qui a des comptes écrans au Canada, même Hollande, François Hollande, lui aussi il a des comptes écrans. Sarkozy a des comptes écrans au Canada. Tous les multinationales, ils ont des comptes écrans au Canada. Mais voilà pourquoi au Canada, vous voyez les champignons des immeubles. Tous les jours, il y a des constructions. Le Canada, c'est beau, hein? Et les Congolais qui vivent là-bas. Les grands espions de Sassou, 8%. Ils sont au Canada. Hein? Et il faut voir comment ils font des directs. Hein? Hein? Des directs magnifiques. Où est-ce qu'ils parlent bien? Mais attention, porteurs de valises, porteurs de mallettes de Nguesso. La vérité doit être dite. Et quand le tiers africain parle, leurs têtes leur font tellement mal parce qu'ils savent, ah, voici l'homme qui aime toujours soulever les sujets clés, la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Nous reviendrons tout à l'heure aussi à d'autres styles des voitures volantes. Mais pour le moment, on va regarder les atrocités. Ce que les Clinton et les Bush et Barack Obama ont fait au Congo RDC. Mais tous, ils ont mis les costumes des multinationales. C'est comme la MONUSCO qui se trouve au Congo RDC. Les casques bleus, ils ne sont pas là-bas pour les populations. C'est des casques multinationales. On devrait enlever casque bleu, hein, la MONUSCO là. On devrait dire des casques multinationales. Oui, c'est des casques multinationales. Voilà. Excusez-moi, on va remettre le commencement. Voilà.